un homme intègre, un homme honnête, un homme courageux, un homme honnête. Adeli, Moumouni, Sadaouti, le son à Dine. Merci beaucoup. Assalamu Matarango. I go to Sabu Aranse. I go to Sabu Aranse. Nakubeinian. Ka Arante Aise. Irkoy Maran Berendi. Irkoy Maran Tonto. Irkoy Maran Bana. Aiga Salan Aran. Faransi Chine. Amma Sule Gafasara Aran Zarmachinera. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre accueil si chaleureux. Merci à ces jeunes venus nombreux me faire l'honneur d'écouter mes propos dans cette première escale de ma tournée dans le département de Kolo. Je suis très heureux d'avoir pu réaliser cet objectif que j'avais à l'esprit, ça fait déjà quelque temps. Je remercie Dieu de nous avoir fait cette faveur. Merci à vous, les femmes, d'être venues, vous aussi nombreuses, ainsi que les personnes plus âgées. Je suis venu, comme l'a dit le responsable de notre fédération, le président de la fédération Taraïa de Tilaberi, Moussa Kalité. Je suis venu vous voir. Je suis venu prendre connaissance de la situation de notre parti à Hamdallaï. Je suis venu prendre connaissance de la situation des populations de Hamdallaï. Hamdallaï, le camarade président de la section l'avait dit tout à l'heure dans son discours, était une commune où le PNDS Taraïa n'était pas bien implanté. Aux élections municipales de 2011, il l'a dit, nous n'avions qu'un seul conseiller. Mais entre-temps, nous l'avons senti déjà aux élections de 2016, mais maintenant, encore plus fortement, notre parti s'est beaucoup agrandi et nous en sommes très heureux. Je suis venu remercier tous ceux qui ont contribué à cet accroissement de notre parti à Hamdallaï. Je suis venu surtout dire bienvenue aux camarades qui nous ont rejoints. Je remercie les conseillers municipaux qui ont rejoint le PNDS. Je remercie les cadres, je remercie les commerçants qui ont adhéré récemment à notre parti. Et je voudrais leur dire que le PNDS Taraïa a l'habitude d'accueillir des personnes nouvelles et que le PNDS Taraïa, pour cette raison, sait bien les accueillir, leur faire la place qu'il faut. Et je suis sûr qu'avec leur arrivée à eux, ces camarades-là, aux prochaines élections, nous verrons nos résultats s'accroître encore plus considérablement. Taraïa, Ilmi, PNDS Taraïa, Ilmi, PNDS Taraïa, Ilmi. Nous sommes au pouvoir depuis plus de 8 ans. Le président Issoufou Mahamadou a été porté à la tête de l'État avec 8 objectifs majeurs et il a mis en œuvre ce programme qui consiste justement à réaliser les 8 axes de ses objectifs les plus importants.
Et grâce à Dieu, aujourd'hui, notre pays, du fait justement de la qualité, de la façon dont il est géré, a avancé considérablement. Ici à Hamdallaye, vous avez bénéficié d'un certain nombre de réalisations dont vous avez fait état tout à l'heure à l'occasion des discours que vous avez prononcés, vous responsables de la section avant moi. Hamdallaye n'est pas loin de Niamey et vous avez vu les grands changements qui ont été apportés à la ville de Niamey. Pendant que nous tenons cette réunion ici, vous avez pas moins de 52 ministres de la culture du monde qui sont à Niamey et qui tiennent une conférence. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Notre pays a beaucoup de prestige et il a des capacités d'accueillir toutes les réunions. Et ce rayonnement international est quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de son économie, pour l'avenir de sa prospérité tout simplement. Dans les propos que vous avez tenus, j'ai noté que la commune de Hamdallaye souffre de l'absence de pistes qui relient les gros villages. Je voudrais vous dire, camarade président, que je vous ai entendu. Et en tant que président de notre parti, je vais transmettre votre message. Je vais le transmettre, mais je ne ferai pas que le transmettre. Je veux le suivre de très près, Inch'Allah. 2021, c'est Mazoum. 2021, c'est Mazoum. Inch'Allah. 2021, c'est Mazoum. Pour ce qui ne sera pas fait d'ici la fin du mandat du président Issoufou, dans le domaine des pistes rurales comme dans les autres domaines de l'électrification des villages et autres besoins dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, nous verrons comme candidat du PNDS ce que nous allons promettre et si jamais Dieu devait décider que nous dirigeons